Salut, c'est Wendy's! Et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite du walkthrough d'Halloween sur Dino Crisis. Crisis. Oui, je vais commencer toutes les vidéos comme ça. Donc, dans la dernière vidéo, on était enfin. On avait commencé le jeu. On était arrivé sur l'île. Et notre but est de retrouver le docteur Kirk. Un scientifique qui fait des recherches sur une nouvelle énergie renouvelable, bah une nouvelle énergie biologique ou un truc dans le genre. On doit le retrouver, le repatrier sur le continent. Je pense que c'était ça, à peu près. Et on a aussi découvert que sur cette île, il y a des dinosaures qui veulent nous bouffer. Et donc on a rencontré les Vélociraptors. Donc, on se retrouve donc dans la fameuse salle, la première salle de sauvegarde. On a encore une petite chose à faire. Ici, vous voyez qu'il y a un petit truc qui clignote en rouge. Un bouton. Appuyez dessus? Oui. Alors oui, il faut appuyer sur un bouton qui est à l'autre bout de la salle pour allumer un ordinateur. Je sais, c'est un peu bizarre. Un email est affiché à l'écran. Intitulé Éducation nouvelle employée. Veux-tu le lire? Veuillez communiquer au nouvel employé. Au nouveau employé? Je sais pas. Alors, je crois qu'il y a des fautes. Hein, au nouveau employé. Ces informations sur le système DDK. La clé numérique disque, donc DDK. Donc la. Disque. Non, ça va rien dire en plus. Et système de verrouillage avancé qui protège nos secteurs les plus importants. Déverrouillage DDK. Préparez à insérer ces deux disques dans l'appareil voisin de la porte. Le type de DDK requis A, B, autre chose, est indiqué sur la porte. Aucun autre type de DDK ne permettra l'ouverture. Vérifiez l'adéquation entre votre type de DDK et celui de la porte à ouvrir. Donc, excusez-moi, je vais avoir énormément de mal aussi à lire les trucs comme ça. Parce que j'ai pas l'habitude de lire les trucs à voix haute. Donc. Alors, je suis désolé, j'ai remarqué dans la vidéo précédente que au niveau de la voix, des voix, donc des personnages, voilà, là je l'ai bloqué, comme ça il va pas me gêner. Et surtout, je vais pouvoir le tuer en fait, normalement. Parce que celui-ci il va m'embêter en fait. Donc, j'aimerais le tuer pour être tranquille. J'attends qu'il se relève, parce qu'il y a des fois j'ai l'impression que quand ils sont par terre, elle lui tire pas forcément dessus. Allez! Bon, c'est assez chiant pour le tuer. Bon, je crois pas qu'il est mort encore. Mais le truc, c'est que je vais mettre là. Ah si, il est mort, j'ai rien dit. Donc quand il y a une grosse flaque de sang en dessous du dinosaure, hein, ça veut dire qu'il est mort. Donc ici, on a une petite porte qui est normalement ouverte, qui nous emmène au vestiaire. Donc oui, comme je disais, au niveau des voix des personnages, on les entend très mal, j'ai l'impression. Et je m'en excuse parce que je peux pas monter ça, parce que si je vous fais voir, en fait, au niveau du son, en fait, volume musique et volume effet, c'est déjà à fond. Donc je peux pas augmenter ça. Donc ici, nous obtenons le disque H, code DDK. Donc en fait, on a le disque H input et le disque H code. En fait, les DDK fonctionneront toujours de cette façon. Donc ici, on a normalement un petit document qu'on peut lire. Journal des gardes, page datée d'aujourd'hui. Veux-tu la lire? Oui. Alors, avant les tests de ce soir, le docteur Kirk et le chef se réuniront à 13h au salon du deuxième étage. La surveillance de service devra concentrer son attention sur les abords du salon du chef. Avant de prendre position, faites provision de munitions à la conciergerie.
La combinaison 0426 ouvrira l'armurerie. D'après les renseignements des espions, ce sont dernièrement... non, d'après les renseignements, des espions se sont dernièrement introduits dans le complexe. Il peut s'avérer nécessaire de pénétrer dans les appartements du chef et du professeur pour assurer leur sécurité. Il y a sur le casier une disquette contenant les informations et donnant accès. Donc en fait, c'est la disquette qu'on vient d'obtenir. Alors, je ne suis pas sûr, mais je crois qu'il n'y a rien dans ces... Il n'y a rien à obtenir, hein, je crois, ici. On a juste ça. C'est de la médicaline. Donc la médicaline, ce sont des petites fléchettes qui... C'est des fléchettes tranquillisantes qui, en fait, endorment les ennemis. Et donc, du même système que les trousses de soins, on pourra améliorer les médicaïnes pour faire des maxicaïnes. Bah, des médis, des médias ou des maxicaïnes qui sont en fait des versions évoluées qui durent plus longtemps. Donc, voilà, donc là, notre but, ça va être... on va visiter un petit peu. On va surtout monter... alors oui, il y a un petit truc juste derrière, là, on va juste voir si c'est pas intéressant pour nous. C'est des anesthésiques. Donc les anesthésiques, c'est pour augmenter l'efficacité anesthésiante. Donc anesthésiante, ça veut dire... ça peut être pas mal de le faire sur la médiacaïne. Et voilà, ça me donne 4 maxicaïnes plus. Donc les maxicaïnes, c'est en fait des trucs qu'on peut utiliser en fait sur les... avec le fusil. Alors, je sais plus si je vous l'avais fait voir le fusil, à quoi il ressemble. Il ressemble à ça. Fusil à pompe de L franchi. Ouais, on l'avait vu quand on l'avait obtenu, c'est vrai. Et donc, juste pour vérifier, j'ai pas regardé. Donc, sur 34, il m'en reste plus que 22. Il m'a fallu 12 balles pour tuer un vélociraptor. Donc, vous voyez, il faut quand même pas mal de balles. Donc, il faudra souvent préférer l'esquive. Mais il y a des fois où il faudra obligatoirement les tuer parce qu'ils nous feront chier. Donc là, ça, c'est un truc à savoir. Mais vous voyez, cette petite caisse est poussable. Bah, cette sorte de caisse, je sais pas trop ce que c'est censé être. Et en fait, en dessous, il y a des objets. Donc ici, on a encore de l'anesthésique. Donc l'anesthésique, qu'on peut aussi mixer avec les maxitoniques. Et donc là, ça me donne des maxitoniques plus. Plus. Donc ici on a un beau panorama. Bah, une belle caméra, je trouve. Les angles de caméra sont... vraiment sympa, je trouve, dans le jeu. Donc c'est bien cool. Donc là, par exemple, ici, il y a... on a un ami qui est ici, qui va nous embêter. Ce que je vais lui faire, c'est que je vais lui balancer, voilà, une flèche. Comme ça va l'endormir. Et je vais le tuer au pistolet. Enfin, je crois. Est-ce que je le tue? Non, je vais pas le... Attendez, je crois qu'il y a un objet ici. Oui, voilà, il y a des trucs ici. C'est de la chevrotine 12. Donc la chevrotine 12, c'est en fait les balles normales pour le fusil à pompe. Donc on va aller dans cette salle-là, dans le salon. Donc là, c'est pareil, je vais y aller au... j'en ai combien de chevrotines? Ouais, j'en ai vraiment pas beaucoup. Je vais faire un petit coup de fléchettes dans sa gueule. Pour pas être embêté. Donc un nouveau phénixir, donc on en obtiendra assez souvent. Bah c'est souvent, on en obtiendra quelques-uns. Ici, on a un petit fichier à lire. Manuel de chimie. Alors attendez, excusez-moi. Non, c'est pas ça. Manuel de chimie. Voici la brochure d'une firme pharmaceutique. Vas-tu la lire? Merde. Attendez. J'ai fait de la merde. Nouveau produit. Alors, substance reconstituante, anesthésiante, intensifiante, multiplicatrice. Les quatre médicaments ci-dessus représentent les dernières innovations de notre société. Leur efficacité est remarquable, en particulier sur le front, où l'on n'a accès qu'à un équipement limité. Propriété. Le mélange des substances permet d'obtenir deux types de produits. Reconstituant, vitalité rapidement rétablie,
anesthésique sur la pointe d'une balle ou d'une aiguille, effet soporifique sur la cible. Les performances des produits obtenus par mélange augmentent encore avec leur les ajouts ultérieurs. Excusez-moi, j'ai un peu de mal à lire. Donc ici, nous avons un petit coffre. Donc pour le moment, on n'a pas le code. Tiens, en parlant de code, c'est vrai, il y a un truc que j'ai oublié de récupérer. Je pensais que cette armoire... ce truc pouvait être poussé, mais pas du tout. Donc oui, il dort. Il est tranquille. Lui, c'est pareil, il dort. J'ai oublié d'aller chercher quelque chose. Que, en plus, je crois que je suis obligé d'aller le chercher. Parce que c'est un objet clé. Donc je vais aller le chercher maintenant. Vous vous rappelez, j'ai eu un code, c'est 0248, je crois que c'était ça. Et ça ne sert pas à ouvrir le coffre qu'on vient de voir, ça sert en fait à ouvrir un coffre dans la salle de sauvegarde. D'accord, donc l'ennemi est réapparu, on ne sait pas pourquoi. D'accord. Je pensais qu'il reviendrait pas, mais si. Donc ici, vous êtes tranquille. Hein. Ici, il n'y a pas de dinosaures qui peuvent venir. Donc, ici, voilà. Ce tableau-ci accepte les codes chiffres. Veux-tu entrer un numéro? J'espère que c'était bien 0248. Putain, c'est pas ça. Ouais, j'ai pas le choix. Il faut que j'aille voir lequel c'était. Voilà, donc j'ai fait de la merde, parce que je me souviens plus du code, et en plus j'ai oublié carrément qu'il fallait déjà aller le chercher, ce truc. Et en plus, voilà, il y a le Vélociraptor qui se ramène toutes les 10 secondes. Ce qui est magnifique, hein. Oula. 0426, ok. Oh mon dieu! Et donc, oui, en fait, les... Ouh, mon dieu. Waouh! Lâche-moi. Voilà. Putain, il me fait saigner, ce connard. Alors, vous voyez, la porte s'est refermée. Hein. Regardez-moi ce connard. Il nous suit, mais tout le temps. Putain, j'ai oublié le code. C'est sérieux, putain, mais... Je crois que c'était ça. Je vais essayer un code, mais je suis vraiment pas sûr. Putain, mais c'est sérieux que j'arrive pas à me souvenir d'un code entre deux salles. Oh là là. C'est sérieux, en plus je suis à moitié dans la merde parce que comme je saigne. En fait le truc du... Du dinosaure m'a tellement choqué que je m'y attendais pas, que j'ai oublié le code. Bon, est-ce que... Mon dieu. En fait, je mettais les chiffres pas dans le bon ordre. Je suis désolé, hein, j'ai fait vraiment de la merde, sur le coup. Bonjour. Bon, les dinosaures, ça me stresse moins, parce que comme je vous l'ai dit, les dinosaures, j'adore ça. J'aimerais bien qu'ils nous fassent un Jurassic Park ou un jeu, un nouveau survival avec des dinosaures. Ça serait tellement bien. Voilà, c'est pourtant pas très compliqué. Donc dedans, nous obtenons une clé de l'entrée. Et un phénixien, encore une fois. Ok. J'aurais préféré autre chose. Je vais aller me chercher un soin, parce que malheureusement, là, je suis en train de crever à petit feu. Et on est déjà à 15 minutes, mon dieu. J'irais peut-être une connerie, mais je crois qu'ici, c'est pareil, il n'y aura jamais d'ennemis dans ce couloir.
Alors, on va faire un truc, on va faire du tri déjà. Parce que déjà, pour moi, là, y a pas de tri, ça m'énerve. Et comme en fait on ne peut pas trier en fait nous-mêmes les objets, ça va être en fait vraiment le gros problème de ce jeu, je trouve. C'est qu'on ne peut pas du tout trier nos objets. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le Total Tonic +++. Et on va le remettre. Voilà. Comme ça, je suis à fond et je ne saigne plus. Donc, on va repartir en haut. Maintenant que j'ai l'objet tant attendu, on va dire. Je crois qu'il nous sert à obtenir une autre clé, en fait. La clé de l'entrée. Ça va nous emmener à un monsieur qui est mort et il a une clé sur lui, je crois, ou une connerie dans le genre. Mais on va pas y aller tout de suite. On va retourner en haut. Donc, vous voyez, il y a un coffre qu'on ne peut pas ouvrir pour le moment parce qu'on n'a pas le code. Donc, ce code, il va falloir qu'on le trouve. Oh, ça y est, il s'est réveillé. Donc, ici. Verrouillage par clé numérique 10 DDK. Merde, je croyais que. Oh putain. Alors, lui, je vais l'endormir parce qu'il me. Hein, voilà. Hein. Donc voilà, dispositif DDK marqué de la lettre H. Donc en fait, on a les bons DDK. Sauf que voilà, il va falloir qu'on mette un code. Mais malheureusement, on ne sait pas comment ça fonctionne. Donc pour le moment, on ne peut rien faire. Ça me fait chier de le faire, mais je vais le faire parce que je vais le tuer maintenant. Il va me casser les pieds, lui. Waouh! Alors, des fois, ça peut arriver quand ils nous font le coup de queue comme ça. On peut perdre notre arme. Donc, notre arme en fait se retrouve par terre. Et donc il faut la récupérer, la rééquiper. Ça peut arriver certaines fois. Alors, local de l'antenne. Donc, qu'avons-nous ici? Ici, on a un petit papier. Alors, note d'un opérateur d'antenne. Veux-tu lire la note? L'expérience de ce soir pourrait provoquer un puissant orage magnétique. Le service communication fermera donc à 18 h, heure à laquelle l'antenne sera temporairement repliée. Devant l'éventualité d'une urgence, un tour d'inspection du casier-armurerie du salon s'impose. Combinaison de déverrouillage 8159. Des gardes inexpérimentés ont récemment été affectés ici et il est courant qu'ils ne sachent pas se servir des DDK. Voici des précisions sur certains points du manuel. Encouragez votre personnel à se familiariser avec ces importantes informations. Après insertion de la DDK dans le verrou, celui-ci réclamera un code d'accès. Il vous faudra alors déduire ce code selon la règle d'élimination fondamentale. Éliminez les lettres de la clé pour obtenir le code correct. Faites-en l'expérience avec une DDK authentique. Par exemple, code OXPYEZN, clé XYZ. Donc en fait, on enlève le X, le Y et le Z du code. Et donc le code correct, ça serait open. Donc voilà, donc là on découvre. Donc c'est. Alors attendez, je vais juste relire le code pour être sûr. 8159, ouais, c'est ça. Donc on a obtenu le code du coffre qu'on a vu tout à l'heure. Et on a vu aussi donc le système de DDK, comment ça va fonctionner pour trouver le bon code. Donc on va retourner dans cette salle-là. Donc dans le salon. Donc là, je pense que je vais esquiver l'ennemi.
Je vais pas m'en occuper. Hop! Donc 8, 1, 5, 9. Et donc nous obtenons des pièces de pistolet. Ceci fera de ton arme un Glock 35. Donc là, en fait, ce que je fais, c'est que mes pièces de pistolet, je les équipe. Et paf! Glock 34 custom. Qui en fait un Glock 35. Glock spécial munition 9 mm parabellum et 40 SEW. Donc en fait le truc qu'il faut savoir c'est que maintenant que nous avons amélioré notre Glock, donc je crois qu'il fait un petit peu plus de dégâts, mais c'est surtout qu'on va pouvoir en fait utiliser des nouvelles munitions avec les 40 SEW qui sont beaucoup plus puissantes que les 9 mm parabellum. Hop, petite esquive, hein, tranquille. Hop là. Donc, maintenant, on va pouvoir ouvrir cette porte. Donc voilà, donc, dans la clé, vous voyez qu'il y a B, C, F, G, I. Et donc, il va falloir en fait enlever ces lettres donc, du code. Donc H, ce n'est pas dedans, donc on peut le mettre. B, C, c'est dedans, on le met pas. E, c'est pas dedans, donc on peut le mettre. F, on le met pas. A, on peut le mettre. G, on le met pas. D, on le met. Et I, on le met pas. Donc ça va faire que le code, c'est AID. Déverrouillage, DDK, accompli. Donc voilà, donc là, c'est bon, on a accès à cette salle. Les appartements du chef. Donc nous obtenons un clé de tableau 1. Et tiens, étrangement, on a eu un clé de tableau 2 tout à l'heure. Bah tout à l'heure, dans la précédente vidéo. Donc ici, on peut obtenir deux chevrotines 12. Vous allez voir pourquoi, en fait, on nous donne ça. Je crois qu'il n'y a rien là-dedans. Ouais, il n'y a rien. Donc ici, nous allons pouvoir donc faire quelques petites choses. Déjà, on va pouvoir obtenir... un nouveau DDK, donc le N, donc c'est l'input. Input. Et donc ici, on remarque ce petit. Ce petit tableau commémoratif. Une médaille commémorative est en exposition. Sous le cadre, il y a deux fentes où insérer des clés de tableau. Donc en fait, les deux clés là qu'on a obtenues, si on les regarde. On voit aussi qu'il y a marqué trois lettres, donc Sol et Léo. Mais aussi, si on les regarde, donc inversement, ça va faire 705 et 037. Donc 705 et 037. Donc là, le truc, c'est qu'on va utiliser donc les deux clés. Donc... On met la 1 dans la serrure de gauche et l'autre dans la celle de droite. Et donc voilà, il y a un code à entrer. Donc c'est en fait le code qu'on a vu avec truc. Donc c'est 705. Non. Non, c'est 0. 703. 0,35, je crois que c'est ça. Putain, non. Attends, Léo. 703. Non, attends. 0,35, c'est pourtant ça. Bon, attendez, je retire les... C'est incroyable que j'arrive pas à me souvenir de ça.
Non, c'est 705 et 0,37. 705 et 0,37. 705, 0,37. Je suis désolé, hein, je galère, mais c'est incroyable de me souvenir des codes comme ça. Non, putain, c'est pas croyable. Cinq, 0,37. Zéro trente-sept. Voilà. Et donc, à l'intérieur, nous obtenons une clé à puce L. La lettre L est gravée sur la carte. Ok. On va pouvoir s'en aller. Ouah! Et donc voilà la première rencontre avec le T-Rex. Alors là, je conseille d'utiliser le fusil à pompe. Parce que sinon, vous vous faites bouffer, hein, je vous le dis. Aussitôt qu'il essaye de vous bouffer, en fait, aussitôt qu'il essaye de s'approcher, il faut lui tirer dessus pour qu'il recule. Sinon, en fait, il vous bouffe. Hein. Et que vous ayez santé à fond ou pas, c'est one shot, hein, s'il vous attrape. Hein. Donc voilà. Donc maintenant je vais pouvoir me rééquiper de mon pistolet. Parce qu'en fait, vous pouvez lui tirer au pistolet, il va rien sentir, hein, je crois. Hein. Dans mes souvenirs. Donc maintenant, nous allons pouvoir continuer à fouiller cette zone. Donc juste pour vous faire voir sur le plan, je sais pas si on peut voir l'endroit où on est censé aller. Si pour le moment, en fait, faudrait qu'on aille dehors, ils nous disent. Donc on va essayer d'aller dehors. On va en fait ouvrir la porte d'entrée et vérifier ce qu'on peut y trouver. Donc j'espère que le jeu vous plaît, parce que c'est un bon petit jeu quand même. Donc ici, on va pouvoir ouvrir en fait cette porte grâce à la clé qu'on a obtenue dans le casier qu'on a ouvert. Donc oui, une porte comme ça, il y a besoin d'une clé. Je sais pas, c'est un peu bizarre hein, leur système. Donc ici, nous allons pouvoir. Ah, qu'est-ce que c'est que ce truc là? C'est rien du tout, ok. Je sais pas, ça faisait bizarre, c'est pour ça. Je crois qu'on peut pas passer par là. Oui, c'est ça. Il faut qu'on fasse le tour obligatoirement. J'espère que vous entendez bien ce que je dis. Oui, ça doit aller normalement. Donc ici on a deux choses à obtenir. On a ça. Donc déjà de la chevrotine 12, donc ça c'est bien. On a le disque N code DDK. Et on a aussi un petit fichier à regarder. Juste ici, un dossier des mutations. Veux-tu le lire? Donc mutation des chercheurs, anciens, section salle expérimentale, aviation spéciale nouveau, section laboratoire de physique triénergétique, numéro identifiant. 57036, non, Mark Doyle. Donc ça sera un truc à souvenir pour un peu plus tard. Donc nous sommes repartis, nous allons pouvoir retourner dans le centre. Je sais pas comment on peut appeler ça, c'est un centre de recherche. Donc ici. On a un code DDK à utiliser, si j'arrive à l'utiliser bien sûr. Ah, d'accord. Voilà, donc en fait, c'est où je voulais aller. Donc, dispositif DDK marqué de la lettre N. Donc, on a obtenu les trucs qu'il fallait. Donc, là, pareil. Donc, vous voyez, c'est un peu plus long. Donc, ici, donc il n'y a pas le N. Il n'y a pas le E. Il n'y a pas le W.
Il n'y a pas le C. Il n'y a pas le O et le M, donc on peut les mettre. Le E et le R, ils n'y sont pas. Donc ça fait newcomer. Donc souvent les codes, ça veut vraiment dire quelque chose. Hein. C'est pas juste une série de lettres à la con. Là, newcomer, c'est pour les nouveaux venants. Dévoyage DDK accompli. Donc en fait, il faut lire les lignes comme si vous lisiez un livre, hein, presque. Donc ici, donc là, deuxième fois qu'on voit une manette. Donc là, vous voyez, il en faut deux des chevilles. Donc, ils nous en offrent une, juste à côté, donc ils sont quand même sympas. Boîtier assurant une suivi des... Ouais, ok. Donc ici, on a des ascenseurs. Pour l'instant, on ne peut pas les utiliser. Ici, nous avons un plan que nous allons pouvoir en fait analyser, ouais, mémoriser les données du plan. Et maintenant, si on regarde dans le plan, en fait, on a le plan du premier étage, je crois. Et aussi du deuxième. En fait, on a les plans du premier et du deuxième étage. Bah, du rez-de-chaussée et du premier étage, plutôt. Ici, en blanc, ce pourrait être un chercheur. Donc, ce cadavre sera important. Et on a cette caisse qu'on peut encore une fois pousser pour obtenir un objet qui est en dessous. C'est un Nemo Patch. Est-ce que je peux mixer des choses? Des maxi toniques, merci. Ça me fait plaisir. Ah, maxi caïne et phénixir. Ouh. Allez, on y va. Bam! Ça donne un toxicogive. Donc le toxicogive, en fait, c'est la version en fait qui tue. C'est la version en fait mortelle. Des médiacaïnes, mexicaïnes et tous ces trucs là. Donc là on va pouvoir déverrouiller une porte. C'est génial. Le hall de l'amphithéâtre. Hop là. Donc ici on a une grille laser qu'on peut donc désactiver hein, maintenant. Je vais la réactiver au cas où. Aïe. Ici on a un bureau. D'accord. Je regarde un petit peu à quel temps on est. Oula, un petit bureau avec un petit monsieur. Et ben, je vous propose qu'on voie le toxicogive. Donc, si on le regarde, ça fait le poison mortel de l'ogive tue l'ennemi au premier impact. Die, motherfucker! Voilà, il est mort. Hein. C'est du one shot, hein, ce truc. Anesthésique. Ça, c'est cool. On va les utiliser pour les mixer avec les maxi toniques. Et on obtient des total toniques. Donc ça c'est cool. Hop. Ici on a un petit fichier à lire. Il y a une note de service au tableau. Veux-tu la lire? Les nouveaux documents de ce personnel n'ont pas été présentés. Paul Baker, récepteur d'appel numéro 1123. Et donc en fait là on a un fichier avec Paul Baker 58104. Le numéro. Ça sera quelque chose d'intéressant à savoir. Est-ce que cette porte est déverrouillable? Oui, la porte est déverrouillable. Et en fait, elle nous ramènera dans le premier couloir qu'on a visité. Est-ce que ce fichier rouge, on peut le lire? Je sais pas, ça m'étonne qu'il soit rouge comme ça. Dossier de notes présenté au personnel. Oui, on peut le lire. Souvenez-vous, cette catastrophe tragique a eu lieu il y a 3 ans. La tri-énergie, par un simple débordement accidentel, a anéantissé le complexe et tué quelques 150 membres de notre personnel. Les performances du tout dernier des stabilisateurs seront mises à l'épreuve ce soir. Afin d'éviter un nouvel accident, toutes les mesures de sécurité seront appliquées. Restez donc très attentifs. Récemment, un individu s'est servi du terminal de cette salle contrefaire une carte ID et obtenir un accès non autorisé. Aujourd'hui se tiendra une réunion sur ce problème au centre d'opération. Tout personnel sera désormais tenu de veiller à la sécurité du terminal. La dernière personne à quitter cette salle serait priée de la verrouiller. Donc là on apprend qu'on va pouvoir que grâce à un ordinateur dans cette salle, on peut modifier les données d'une carte ID. Donc qui ne servira en fait à ouvrir des portes.
Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais rééquiper les chevrotines. Je vais me rééquiper du pistolet pour le moment. Faudrait que je la tire, mais j'ai pas envie de tirer en fait. Ouais, on va l'esquiver. Ce sera toujours mieux. Hop là. Donc on arrive à l'amphithéâtre. Donc c'est la zone où on devait aller. Donc ici on va obtenir une clé G-Secours SB1. Les mots générateurs de secours salle B1 y sont gravés. Et là, attention, quand on voit ce danger, en fait, il faut tambouriner à mort les touches. Parce qu'en fait, c'est une sorte de QTE. Bon, c'est QTE où il faut juste appuyer comme un malade sur les boutons. Donc voilà. Donc Gale nous a sauvés. Et donc il est toujours vivant. Alors je ne sais plus. Est-ce qu'il y a des trucs cachés entre les... Oui voilà, il y a un truc. Je me disais bien qu'il y avait quelque chose de caché à quelque part. C'est un hémopatch. Je crois qu'il n'y a rien d'autre dans cette salle normalement. Donc on va pouvoir repartir. Et donc on doit retourner voir Rick. Donc parce que Gale... Sa radio est pétée. Alors, je sais pas si ça... Ça m'a étonné, moi, la première fois que j'ai vu ça. C'est les... Aïe. Non, tu ne passeras pas. C'est les radios de nos personnages. Parce que vous avez vu, en fait, les radios, c'est sur les mains. Je sais pas. On dirait, en fait, que c'est un gant avec tout l'appareil... tout ce qu'il leur faut. C'est un peu bizarre, je sais pas. Je sais pas si ça existe vraiment dans la vraie vie, un truc comme ça, mais bon. Donc, retournons au centre de recherche, je sais plus comment ils... Oui, c'est centre de recherche, je crois. Bah, le poste de contrôle. Le centre de contrôle. Je sais plus exactement le nom. Bon, lui, il est toujours revenu, ça me casse les pieds. Mais... Le centre de contrôle, on ira dans la prochaine vidéo. Et oui, je m'arrête ici. Je suis tellement méchant. Donc, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et donc, à plus et à la prochaine pour un nouvel épisode de Dino Crisis, le Walkthrough Halloween. Oui, bon, je vais arrêter mes conneries. Donc, à plus et à la prochaine.